Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Et qu'elle va surgir soudain de la jeune fille maigre, noiraude et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Et se dresser seule en face du monde, seule en face de son oncle Créon, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Hein ? Tu t'appelles Antigone, et tu vas jouer ton rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, tu sens que tu t'éloignes à une vitesse vertigineuse de ta sœur Ismène, qui bavarde avec un jeune homme, de nous tous, de nous qui sommes là à les regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir, a priori. Le jeune homme avec qui parle la belle, la blonde, l'heureuse Ismène, c'est Aemon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Pourtant, tout le portait vers Ismène, hein ? Son goût de la danse et des jeux, du bonheur, de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone, tu le vois bien. Et un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, les bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats. Et lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais, jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre. Et que ce titre princier lui réservait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, qui médite là, près de son page, c'est Créon, le roi. Il a des cernes, des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Alors il a retroussé ses manches, il a laissé ses livres et ses objets, et il a pris leur place. Parfois, le soir, il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si ce n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustes. Et puis le matin, des problèmes précis se posent, qu'il faut résoudre. Alors il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote là-bas, à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante, mais alors, elle ne lui est d'aucun secours. Créon est seul, seul avec son petit page qui est trop petit et qui lui non plus ne peut rien pour lui. Seul avec ses hommes rougeaux, les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants, des petits ennuis comme tout le monde. Mais tout à l'heure, ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde. Ils sentent l'ail, le cuir, le vin rouge. Ils sont dépourvus de toute imagination. Ils ont voté Macron. Ce sont les auxiliaires, toujours satisfaits d'eux-mêmes et toujours innocents de la justice. Et pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon, la belle affaire.
Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner chacun un an à tour de rôle sur Thèbes, se sont entretués aux portes de la ville, Éthéocle, l'aîné, ayant refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créon, le nouveau roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, ce vaurien, ce révolté, ce voyou, serait laissé, là, sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais dans ta chambre pour voir si tu n'étais pas découverte en dormant. Et je ne te trouve plus dans ton lit. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau. Un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sorti. J'ai été à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâiller. Dans les champs, c'était tout mouillé, et cela attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route. Et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales, et je me suis glissée délicatement dans la campagne, sans qu'elles s'en aperçoivent. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle ne s'est pas découverte. Et je trouve son lit froid et personne dedans. C'est vrai. C'était la nuit. Et il n'y avait que moi, dans toute la campagne, à penser que c'était le jour. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Ah, fais la folle, hein. Fais la folle. J'étais gamine avant toi, hein. Et pas comme moi non plus. Mais t'es dure comme toi, non. D'où viens-tu, mauvaise? Mauvaise. Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein. Dis non, peut-être. Oui, nourrice. J'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, nourrice.
Le pauvre. J'ai un amoureux. Ah, c'est du joli ça, hein. C'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi. À tatifer devant la glace. À te mettre du rouge à lèvres. À chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et les cheveux mal peignés. Les garçons ne vont qu'ils se mènent avec ses rubans et ses bouclettes. Et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille? Voilà, c'est lui que j'aime. Je veux l'épouser. C'est ça, hein, c'est ça. Réponds donc, fanfaronne. Oui, nounou. Et elle dit oui, miséricorde. Je l'ai eu toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. Et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ton oncle Créon saura tout. Je te le promets. Oui, nourrice. Mon oncle Créon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et Aimant? Et ton fiancé? Car elle est fiancée. Elle est fiancée. Et à 4h du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous demande qu'on la laisse. Ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais te faire? Te battre. Comme lorsque tu étais gamine. Nounou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier? Ne bien qu'à pas crier par-dessus le marché. Qu'est-ce qu'elle me dirait ta mère si elle était encore là? Vieille bête. Oui? Vieille bête. Toi qui n'as pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chien de garde. Alors tourner autour avec des linages pour qu'elles ne prennent pas froid. Ou bien leur donner des laits de poule. Pour les rendre plus fortes. Mais à 4h du matin, tu dors, vieille bête, toi qui ne peux pas fermer l'œil de la nuit. Et tu les laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives pour les border, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira ta mère quand j'y monterai là-haut. Et moi j'aurai honte à en mourir si je n'étais pas déjà morte. Et je ne pourrais que baisser la tête et répondre, Madame Jocaste, c'est vrai. Non, non, non. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira, merci nounou pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, non, non. Tu te moques de moi alors? Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, mais je pensais que c'était toi qui m'aimais le plus. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venue te border? Allons, nounou. Ma vieille bonne-pomme rouge. Ma vieille bonne-pomme toute fripée. Tu te souviens? Quand je t'ai frottée pour que tu brilles. Ne laisse pas couler tes larmes dans toutes ces petites rigoles comme cela. Pour des bêtises. Pour rien. Je suis pure. Je n'ai pas d'autre fiancé ni d'autre amoureux que Aimon. Et je peux même te promettre, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Nounou, garde tes larmes. Garde tes larmes, tu en auras peut-être besoin encore. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Antigone! Antigone! Tu es déjà levée? Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Toutes les deux alors. Vous allez devenir folle à vous lever avant les servantes. Vous pensez que c'est bon d'être debout le matin à jeun? Que c'est convenable pour des princesses? Vous n'êtes seulement pas couverte. Vous allez voir que vous allez encore me détester ce matin. Laisse-nous, nounou. Il ne fait pas froid, je t'assure. C'est déjà l'été. Tu peux aller me faire du café? Je voudrais bien un petit peu de café. S'il te plaît, nounou. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien. Et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Vite. Ah! Tu es malade? Ce n'est rien. Un peu de fatigue. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. Ne te moque pas! Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle, Ismène. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse. Tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je
Il mettait des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attaché à un arbre. Je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile, hein, de ne pas penser à des bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose ? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi ? Il nous ferait mourir. Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons aller enterrer notre frère Ismaël. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions ? Je ne veux pas mourir ! Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Tu sais, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, j'ai réfléchi plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée, je réfléchis. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir, Ismène. Si, Antigone ! D'abord, c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié, moi aussi, de notre frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi, Ismène. La petite Antigone, hein, c'est ça que tu penses ? L'entêtée, la sale bête, la mauvaise. Et puis, on la met dans un coin ou dans un trou. Et puis, c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et froide parce que cela mouille les robes, à la terre parce que cela tache les dalles. Il fallait comprendre, Ismène. Qu'on ne peut pas manger tout à la fois, qu'on ne peut pas donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants, et qu'on ne peut pas courir, hein, courir jusqu'à en tomber par terre et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, et on ne peut pas non plus boire quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Toujours comprendre, hein. Moi, je ne veux pas comprendre. Je veux pas comprendre, Ismène. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. Il est le roi, Antigone. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hurleront. Ils nous prendront avec leurs mille bras, leurs mille visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine, sur le fauteuil, avec leur odeur et leur rire, jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes, avec leurs têtes d'imbéciles, congestionnées sur leurs cols raides, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœufs, qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres, et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir ? Il faudra souffrir ? Sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête ? Mais qu'elle continue pourtant et monte encore comme une voix aiguë. Je ne peux pas, je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit, pas toi? Si, bien sûr. Moi, tu sais, Antigone, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre? Pas envie de vivre, moi. Qui se levait la première, le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière, le soir, juste pour vivre encore un petit peu de la nuit? Qui pleurait, déjà toute petite, en pensant qu'il y avait trop de petites bêtes, trop de brins d'herbe dans le pré, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Hein, qui? Ma petite sœur. Ah non. Ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à pleurnicher sur notre sort ensemble maintenant, hein. Tu as bien pensé, tu dis. Tu penses que la douleur, tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la peur de mourir, c'est assez? Oui! Sers-toi de ces prétextes. Antigone, je t'en supplie, c'est bon pour les hommes de croire aux idées de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui.
Ai-je déjà assez pleuré d'être une fille? Ton bonheur est là devant toi et tu n'as qu'à le prendre. Tu es jeune, tu es fiancée, tu es belle. Je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muettes, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous, des petites filles. Aimons, Antigone! Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle! Folle! Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis que je suis toute petite. Va te recoucher, Ismène. Regarde, il fait jour maintenant et de toute manière, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est désormais entouré d'une garde. Exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Le soleil se lève seulement. Va te recoucher. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Va dormir, Ismène. Vas-y. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore. Oui. Je vous laisserai tous me parler encore. Va dormir maintenant. Tu serais moins belle demain. Pauvre Ismène. Tiens, te voilà du bon café et des tartines, mon pigeon. Mange. Tu es gentil, Nounou. Je n'ai pas très faim. Je te les ai grillés et beurrés, comme tu les aimes. Je vais seulement boire un peu. Où as-tu mal? Nulle part, Nounou. Mais fais-moi tout de même bien chaud, comme lorsque j'étais malade. Nounou, plus forte que la fièvre. Nounou, plus forte que le cauchemar. Nounou, plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur. Nounou, plus forte que les mille insectes du silence qui rongent quelque chose, quelque part, dans la nuit. Nounou, plus forte que la nuit elle-même avec son ululement de folle qu'on n'entend pas. Nounou, plus forte que la mort. Donne-moi ta main, comme lorsque tu restais auprès de mon lit. Qu'est-ce que tu as, ma petite colombe? Rien, Nounou. Je suis seulement encore un peu trop petite pour tout cela. Trop petite pourquoi, ma mésange? Il n'y a que toi qui dois le savoir, d'accord? Trop petite pour rien, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma tourterelle? Rien. Seulement ta main, comme cela, contre ma joue. Tu es si puissante, Nounou. Peut-être que tu vas me sauver encore, hein? Ça y est. Ça y est, je n'ai plus peur. Ni de l'ogre, ni des cauchemars, ni même de Fillon et des emplois fictifs. Tu sais, Nounou, il faut que je te demande quelque chose. Marine, ma chienne. Oui. Tu vas me promettre que tu ne la gronderas plus jamais, d'accord? Une bête qui salit tout avec ses pattes, ça ne devrait pas rentrer dans les maisons. Même si elle salit tout, mais promets. Alors, il faudra que je la laisse tout abîmée sans rien dire. Oui, Nounou. Ah, ça c'est un peu fort. Même si elle salit tout. Et puis, au fond, tu l'aimes bien, Marie, avec sa bonne grosse tête. Et puis, tu aimes bien frotter aussi. Tu serais malheureuse si tout restait propre tout le temps. Alors je te le demande, ne la gronde pas. Et si elle pisse sur mes tapis?
Promets que tu ne la gronderas tout de même pas. Tu profites de ce que tu câlines. C'est bon, c'est bon. On essuiera sans rien dire. Je vais tourner en bourrique. Et puis, promets-moi que tu lui parleras. Que tu lui parleras souvent. A-t-on vu ça? Parler aux bêtes? Et justement, pas comme à une bête. Comme à une vraie personne. Comme tu m'entends le faire. Ah ça non, hein. À mon âge, faire l'idiote. Mais pourquoi veux-tu que tout le monde lui parle comme toi, à cette bête? Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus le faire. Pourquoi? Eh bien, si elle avait l'air trop triste tout de même, Marine. Si elle avait trop l'air d'attendre, le nez sous la porte, comme lorsque je suis partie. Il vaudrait peut-être mieux la faire mourir, Nono, sans qu'elle ait mal. Faire mourir Marine? Faire mourir ta chienne? Mais tu es folle ce matin, ma petite. Oui, Nono. Voilà, Aimon. Laisse-nous. Oh. Et n'oublie pas ce que tu m'as juré. Ouais, ouais. Pardon, Aimon, pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. Je sais bien que je t'ai pardonné. À peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais pardonné. Où l'as-tu volé ce parfum? Iceman. La poudre, le rouge à lèvres, la belle robe. Aussi. En quel honneur tu t'es fait si belle? Je te le dirai. Oh mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir de gaspiller, un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. D'autres disputes. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, oui. Écoutez-moi. Oui. Ne ris pas ce matin. Sois grave. Je suis grave. Et serre-moi. Plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. Là. De toutes mes forces. C'est bon. Écoutez-moi. Je voulais te dire ce matin. Le petit garçon, tu sais, celui que nous aurions eu tous les deux. Je l'aurais bien défendu. Je l'aurais bien défendu contre tout, je te le promets. Oui, Antigone. Ah, je l'aurais serré si fort. Qu'il n'aurait jamais eu peur. Je te le jure, ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon Aimon. Il aurait une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères de la terre avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas? Oui, mon amour. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais une vraie femme? J'ai une vraie femme. Ah, tu m'aimais, Aimon. Tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là. Tu m'aimais? Tu m'aimais? Quel soir? À ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu es sûre que tu n'as jamais regretté depuis. Tu n'as jamais pensé, même une seule fois, même tout au fond de toi-même, que tu aurais plutôt dû demander Ismène. Idiote! Je suis noire et maigre. Ismène est blanche et dorée comme un fruit. Tigone. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme? Tes bras qui me serrent ne mentent pas? Tes mains posées contre mon dos ne mentent pas? Ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou, hein? Comme une femme. Tu sais, Aimon, je voulais te dire encore d'autres choses ce matin. Mais ce sont des choses qui sont difficiles à dire. Alors je vais te demander.
Quand tu les auras entendues, pars. Pars sans rien dire. Sans même me regarder. Jure-moi que quand je t'aurai dit ce que j'aurai à te dire, tu partiras sans rien dire, ok? Jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord, Aimon, que tu partiras sans même me demander pourquoi, ok? Jure-moi ça parce que c'est la seule chose que tu peux faire encore pour moi si tu m'aimes. Je te jure. Hier d'abord, tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec cette robe, avec ce rouge à lèvres, avec ce maquillage. J'étais bête. J'étais pas sûre que tu me désires vraiment. J'ai fait tout ça pour être un petit peu plus comme les autres filles. Pour te donner envie de moi. C'était pour ça. Oui. Et tu as ri. Et nous nous sommes disputés. Et mon mauvais caractère a été plus fort. Je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi hier soir pour que tu me prennes, Aimon. Pour que je sois ta femme avant. T'as juré de pas me demander pourquoi, Aimon. Maintenant, pars. Pars maintenant, pars sans rien dire. Aimon, je t'en supplie, arrête de me regarder comme ça. Si tu continues, je me jette par cette fenêtre. Aimon, je te le jure sur la tête du petit garçon qu'on a eu tous les deux en rêve. C'est le seul petit garçon que j'aurai jamais. Aimon, pars. Aimon, c'est la dernière chose que je te demanderai de ma vie. Aimon, s'il te plaît. Tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure, tu comprendras tout. Mais pars. Voilà. C'est fini pour Aimon, Antigone. Antigone ! Antigone ! Ça va ? Oui. Je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Aimon, Nounou et moi. Et Marine, ta chienne. Nous sommes vivants, nous. Et nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone, comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre durer éternellement, sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne brave pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout toujours, mais tu es toute petite, Antigone. Je t'en supplie, ne va pas là-bas cette nuit. C'est trop tard, Ismène. Quand tu m'as rencontrée ce matin, j'en venais. Quoi ? Non ! Antigone ! Entre tant de merveilles du monde, la grande merveille, c'est l'homme. Il parcourt la mer qui moutonne quand les tempêtes soufflent du sud. Il passe au creux des houles mugissantes et la plus ancienne des divinités, la terre souveraine, l'immortelle, l'inépuisable, une année après l'autre. Il la travaille, il la retourne, alignant le sillon au palan de ses mules, le peuple des oiseaux, race légère, les fauves des bois et la faune marine. Il les capture au creux mouvant de ses filets. Cet inventeur de stratagème, il attire dans ses pièges le gros gibier des plateaux. Il courbe sous le collier le col crépu du cheval ou le taureau démon dans le plus grand de sa force. Le langage et la pensée rapide, comme le vent, les lois et les mœurs, il sait tout enseigner sans maître. Comme s'abriter des grands froids et des traits perçants de la pluie. Génie universel que rien ne peut prendre au dépourvu du sol Hadès. Il n'élude point l'échéance, bien qu'à des cas désespérés. Parfois, il ait trouvé des remèdes. Riche d'intelligence incroyablement féconde, du bien comme du mal, il en subit l'attirance. À la justice éternelle, il greffe les lois de la terre. Et si dans sa criminelle audace, il s'insurge contre la loi, à mon foyer, dans mon cœur, le révolté n'aura jamais sa place.
Linus. La race naît du racisme et non le contraire. La façon dont on nomme les gens n'a jamais été une affaire de généalogie ni de physiognomonie. Elle est plutôt une affaire de hiérarchie. Les différences de couleur de peau et de nature de cheveux remontent à la nuit des temps. En revanche, croire à la prééminence de la couleur de peau et de la nature des cheveux, penser que ces facteurs peuvent contribuer à l'organisation cohérente d'une société et reflète des caractéristiques plus profondes, indélébiles, voilà l'idée nouvelle qui fonde ce nouveau peuple, qui a été conduit à croire contre toute évidence et de manière tragique qu'il est blanc. Compagnie. Qu'est-ce que tu veux?
Alors voilà, chef, on a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait. Et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui s'explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner une poste tous les trois. On est les trois du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est trois, chef. Je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand. Non, oui. Et le garde de première classe, Boudouce. Et pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Je lui dis tout de suite, moi. C'est le première classe qui doit y aller. Quand il n'y a pas le gradé, c'est le première classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non. Ils ont vu le tir au sort. Faut-il que j'aille chercher le première classe, chef? Non. Parle, toi, puisque tu es là. J'ai 17 ans de service, je suis engagé volontaire, la médaille de citation. Je suis bien noté, moi chef, je suis service, je ne connais que ce qui m'est commandé. Et c'est pour ça que mes supérieurs, ils disent toujours, avec Jonas... Bah ! De quoi as-tu peur ? Régulièrement, ça aurait dû être le première classe. Moi, je suis proposé première classe, mais je devais être promu en juin. Je ne suis pas encore promu. As-tu parlé enfin ? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les trois responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Eh bien, voilà, chef, le cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures. La plus dure, c'est ce que c'est, chef. Au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis, toutes ces ombres qui bougent, et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah ! Ils ont bien choisi l'erreur. On était là, on parlait, on battait la semelle. On ne dormait pas. Ça, chef, je peux vous le jurer qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait... Tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais je le regardais de temps en temps tout de même. Oui, parce que je suis comme ça, je suis méticuleux. Et c'est pour ça que mes supérieurs, ils disent toujours... C'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous le diront. C'est moi qui ai donné le premier l'alarme. L'alarme? Pourquoi? Le cadavre. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose. N'avait pas eu le temps avec nous autres à côté. Seulement un peu de terre. Assez tout de même pour le cacher au vautour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Non, chef. On a d'abord espéré ça, nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui. Selon les rites, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Non, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, Durand a trouvé plus loin une pelle. Ah oui? Une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Le premier classe l'a tout de même gardé pour l'enquête. Un enfant... L'opposition brisée qui se rémine déjà partout. Les amis de Polynis, avec leur or bloqué dans Thèbes. Les chefs de la plaie puant là et soudainement alliés au prince. Et les prêtres, essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que cela serait plus touchant. Je le vois d'ici, leur enfant. Avec sa gueule de tueur à pointer la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. Moi qui n'ai dressé un vrai enfant. Avec des phrases... Une innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur mes mains double benne. Ils ont des complices peut-être. Dans ma garde. Écoute bien toi. Chef, on a fait tout ce qu'on devait faire. Durand, c'est un signe de mieux parce qu'il avait mal au pied. Non. Mais moi, je suis resté tout le temps debout. Le premier classe vous le dira. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Écoute bien. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous, près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes coupable d'une négligence, vous serez puni de toute façon. Mais si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynis, vous mourrez tous les trois. Chef, on n'a pas parlé, je vous le jure. Après, moi, j'étais ici. Et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Pitié, chef! J'ai 2 femmes et 2 enfants! J'en ai un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici devant le conseil de guerre. Vous témoignerez. J'ai un témoin, moi! Va vite! Si personne ne sait, tu vivras.
Allez, viens, petit. Faut que nous allions écrire tout cela maintenant. Et puis la jolie besogne commencera. Dis, petit. Tu mourrais, toi, pour moi? Tu irais avec ta petite pelle? Bien sûr. Tu irais tout de suite, toi aussi. Un enfant. Je t'écris dans ta 15e année. Je t'écris car cette année, tu as vu Eric Gartner se faire étrangler et tuer pour avoir vendu des cigarettes. Car tu sais désormais que Renisha McBride a été abattue parce qu'elle avait appelé à l'aide. Que John Crawford a été tué parce qu'il déambulait dans les rayons d'un grand magasin. Tu as vu des hommes en uniforme assassinés de leur voiture. Tammy Rice, un enfant de 12 ans qu'ils avaient juré par serment de protéger. Tu as vu des hommes, dans ce même uniforme, tabasser Marlène Pinnock, une grand-mère sur le bas-côté d'une route. Et tu sais à présent, si jamais tu l'ignorais encore, que les services de police de ton pays ont été dotés du pouvoir de détruire ton corps. Peu importe que cette destruction soit le résultat d'une réaction malencontreuse et excessive. Peu importe qu'elle soit le fruit d'un malentendu. Peu importe qu'elle découle de la stupidité de certaines lois. Si tu vends des cigarettes sans en avoir l'autorisation légale, ton corps peut être détruit.
si tu manifestes de la colère contre ces gens qui essayent de l'enfermer, si tu empruntes un escalier trop sombre, ton corps peut être détruit. Les auteurs de cette destruction auront rarement des comptes à rendre. Pour la plupart, ils percevront leur retraite. Cette destruction n'est que la forme superlative d'une domination dont les prérogatives incluent la fouille, la détention, le passage à tabac et l'humiliation. Tout ceci est une histoire banale pour les Noirs. Tout ceci est de l'histoire ancienne. Personne n'est tenu responsable. Voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que ça démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur un beau matin, ou comme d'un truc à manger. Une question de trop qu'on pose un soir. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. Ça roule tout seul, c'est minutieux, bien huilé, pour toujours. La mort, la trahison, le désespoir, les éclats, les orages, tout est là, tout est prêt. Et les silences, tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois dans la chambre sombre, sans oser bouger tout de suite. Le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur. On dirait un film dont le son s'est enrayé. Toutes ces bouches ouvertes, là, dont il ne sort rien. Toute cette clameur qui n'est qu'une image. Et le vainqueur, déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre, la tragédie. C'est reposant. C'est sûr. Dans le drame, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ses traîtres, ses vengeurs, ses terre-neuves, ses lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver, le bon jeune homme aurait pu arriver à temps avec les pompiers. Là, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. Et, en somme, on est tous innocents. Il y en a un qui tue, l'autre qui est tué. Mais c'est juste une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant, la tragédie. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Le sale espoir. On sait qu'on est pris. Qu'on est enfin pris comme un rat. Avec tout le ciel sur son dos. Et qu'on n'a plus qu'à crier! Pas à gémir, pas à se plaindre, à gueuler! À gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire et qu'on n'avait jamais dit! On ne savait peut-être même pas encore, et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre, soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère s'en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Et enfin, il n'y a plus rien à tenter. Alors voilà, ça commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Vous vous expliquerez auprès du chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. Mais si
S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, on serait propre. Allez, allez, lâchez pas, vous arrêterez pas l'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Ouais, oh, oh, voilà. Chef, on est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On a appelé la relève, chef. La relève? Je t'avais dit de la renvoyer, la relève! Je t'avais dit de rien dire! On n'a pas parlé, chef! Mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous les trois. Imbécile! Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef! Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. Ce qu'elle faisait là, chef? Mais c'est pour ça qu'on vous l'amène! Elle grattait la terre avec ses mains! Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur pas loin pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, on avait décidé, pour être plus sûr, qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regarderait. Mais, à midi, en plein soleil, et puis avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux. Ça tremblait comme de la gélatine, j'y voyais plus. Alors, j'ai au camarade lui demander une chic pour passer ça. Le temps que je me la cale à la joue, chef! Le temps que je lui dise merci! Je la retourne! Elle était là, à gratter la terre avec ses mains, en plein jour! Elle était là, cette sale bougnoule! Elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de se sauver, peut-être? Non! Elle a continué de toutes ses forces aussi vite qu'elle pouvait! Cet animal! Comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse! Elle voulait continuer encore! Elle me criait de la lâcher, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, on a découvert le corps comme de juste. On a appelé la relève, sans parler de rien. Et on est venu vous l'amener. Voilà, chef. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle en fer qui nous servait à faire des châteaux de sable, l'été, sur la plage. C'était justement l'appel de Polynice. C'est pour ça que je l'ai laissée auprès de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait. Même qu'au premier coup d'œil, avec la chaleur qui tremblait, le camarade dit « Mais non, c'est une bête !» Bon sûr que je lui dis ! C'est trop fin pour une bête ! C'est une fille. De toute façon, tous des animaux, Mike, chef. C'est bien. Elle vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Petit, conduis ces hommes à côté et qu'ils restent au secret jusqu'à ce que je revienne les voir.
Faut-il lui remettre les menottes ? Non. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un ? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route ? Non, personne. Tu en es bien sûr ? Oui. Alors écoute bien. Tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu étais malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces trois hommes. Pourquoi ? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère ? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ce qu'on n'enterre pas erre éternellement, sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je l'aurais préparé son lit. Je lui aurais fait à manger. Je lui aurais même enlevé ses chaussures. Polynice, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, où mon père, ma mère et Théocle aussi l'attendent. Il a le droit au repos. C'était un révolté, un traître, tu le savais ! C'était mon frère. Tu avais entendu Lady proclamer au carrefour ? Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville, non ? Oui. Tu savais le sort qui était réservé à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres ? Oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi ? Non. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone ! La loi est d'abord faite pour les filles des rois ! Si j'avais été une servante, Créon, si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire Lady, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Non, non, ça n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais restée chez toi à pleurer ton frère. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale. Ma nièce est la fiancée de mon fils et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez ? J'étais certaine, au contraire, que vous me feriez mourir. L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui. Maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père non plus, je ne dis pas le bonheur. Il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père et coucher avec votre mère et apprendre tout cela après avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Oedipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non ! Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai mes deux pieds par terre et mes deux mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Ça n'est même pas une aventure. C'est un métier pour tous les jours, et pas toujours drôle comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain, un messager crasseux dévale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr de ma naissance, je le prierai tout simplement de s'en retourner d'Olivien. Je m'en irai pas pour si peu regarder ta tante sous le nez me mettre à confronter les dates. Les rois ont d'autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Alors écoute bien. Tu t'appelles Antigone, tu es la fille d'Oedipe, soit. Mais tu as 20 ans. Il n'y a pas longtemps encore, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Te faire mourir. Tu ne t'es pas regardé, moineau. Tu es trop maigre. Grossis un peu, plutôt, pour faire un gros garçon, Aemon. Thèbes en a besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Alors tu vas rentrer chez toi tout de suite. Faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va ! Et me foudroie pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque. Mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Antigone ! Ce n'est pas par là qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu ? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu ? Je ne joue pas. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serai obligé de te faire mourir ? Il faut que j'aille enterrer mon frère que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde ?
Il y a une autre garde autour du corps de Polynice, et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc si l'on t'ensanglantait encore les ongles et te faire prendre? Rien d'autre que ça, je le sais. Mais cela, du moins, je le peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment cet enterrement dans les règles? À cette ombre de ton frère condamné irait toujours si on ne jette pas un peu de terre sur le cadavre avec la formule du prêtre? Tu l'auras déjà entendu la réciter au prêtre de Thèbes, la formule? Oui. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatiguées, courtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi? Oui, je les ai vus. Et tu irais refaire ce geste absurde? Tu as déjà pensé que si c'était quelqu'un que tu aimais vraiment qui était là couché dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, alors crier de se taire, de s'en aller? Si, je l'ai pensé aussi. Et tu risques la mort maintenant, parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde! Oui, c'est absurde, Créon. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non. Et pour les autres? Et pour ton frère? Pour qui alors? Pour personne. Pour moi. Tu veux donc bien mourir, Antigone? Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Je n'aurai pas du courage éternellement. C'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi. Vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas, Créon. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre! Orgueilleuse! Petite Oedipe! Vous pouvez seulement me faire mourir. Faire mourir? Et si? Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pourquoi? Pour que je pleure? Hein, pour que je demande grâce, pour que je jure tout ce qu'on voudra, et que je recommence après quand j'aurai plus mal? Écoute-moi, j'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon, et tu le sens. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres tenailles ou jeté dans un trou. Mais tu vois que je te laisse parler, au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Cela ne me fait même plus mal. Vous serrez trop maintenant. Je n'ai plus de bras. Vous êtes odieux, Créon. Oui, mon petit. C'est le métier qu'il veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi le faites-vous alors? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je le pouvais. Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, à moi? Votre politique? Votre nécessité? Vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec votre page, avec votre attirail, avec vos gardes, vous pouvez seulement me faire mourir, parce que vous avez dit oui. Écoute-moi, Antigone! Moi, si je veux, Créon, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui, je n'ai plus rien à apprendre de vous désormais. Vous êtes là, à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non, non, je vous fais peur. Ce serait tout de même plus commode, hein, de garder une petite Antigone, vivante et muette dans ce palais. Vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez. C'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien oui, j'ai peur. J'ai peur d'être obligé de te faire mourir si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus, peut-être, refuser une tombe à mon frère. Dites-le, hein, que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et c'est cela, être... Oui, c'est cela. Pauvre Créon. Avec les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec mes ongles pleins de terre d'avoir gratté la terre pour enterrer mon frère, avec ma peur qui me tord le ventre. Moi, moi, Créon, moi, je suis reine! Alors aie pitié de moi, vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est déjà assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes.
Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer encore. J'ai assez payé. C'est fini pour vous. Vous avez dit oui, une fois. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais mon Dieu! Essaie de comprendre une minute, petite idiote! J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misères. Et le gouvernail est là, qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale. Et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux. Avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins leurs au-delà. Et le mât craque. Et les vents sifflent. Et les voiles vont se déchirer. Et toutes ces brutes vont crever tout ensemble. Parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné? De savoir s'il faut dire oui ou non? De se demander si on va pas payer trop cher un jour? Si on pourra encore être un homme après? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre, on tire dans le tas sur le premier qui s'avance. Dans le tas! Cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous. Le vent qui vous gifle. Et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom. Et toi non plus, tu n'as plus de nom cramponné à la barre. Il n'y a plus que le bateau qui a un nom. Et la tempête. Est-ce que tu le comprends, cela? Moi, je ne veux pas comprendre. Je suis là pour autre chose que pour comprendre. Comprendre, c'est bon pour vous. Moi, je suis là pour vous dire non, Créon. Et pour mourir. C'est facile de dire non! Pas toujours. Pour dire oui, il faut tuer et retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main, s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non. Il n'y a qu'à ne pas bouger et attendre. Attendre de vivre, attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour? Quel rêve pour un roi. Ce serait si simple, hein? Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle. J'ai souvent imaginé ce dialogue avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer dont je ne pourrais rien tirer après que du mépris. Seulement, je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose d'aussi bête. Écoute-moi pour la dernière fois, Antigone. Mon rôle n'est pas le bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Seulement, je veux que toi aussi tu sois bien sûr du tien avant de mourir. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle des Théocles et de Polynice, celle de tes frères! Tu crois la savoir, et tu ne la sais pas. Personne ne la sait dans Thèbes que moi! Mais il me semble que ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord? De compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager. C'était des grands. Tu as commencé à les admirer avec leurs premiers pantalons longs, leurs premières cigarettes. Puis ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme. Ils ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais pourtant ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais leur ricanement dans les couloirs quand ils rentraient le soir, goguenards et veulent, sentant le vin. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Nous venions de nous lever et eux... Il rentrait tout juste. Polynice était là, les yeux brillants et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a regardé, il m'a dit « Tiens, tu es là, toi ?» Et il m'a offert une fleur en papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Et cette fleur, tu l'as conservée, n'est-ce pas? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardée longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone, avec ta fleur de cotillon! Sais-tu qui était ton frère? Je savais que vous me diriez du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard imbécile! Un petit carnassier dur et sans âme! Une petite brute tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois, j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme d'argent qu'il avait perdu au jeu. Il est devenu tout pâle à lever le poing en criant un mot ignoble! Ce n'est pas vrai. Son poing de brute a tout volé dans la face de ton père. C'était pitoyable. Ton père assis à sa table, la tête dans ses mains. Il saignait du nez. Il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice, qui allumait une cigarette, en ricanant. Rappelle-toi, tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps après, c'est vrai cela? Oui, c'est vrai.
C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Mais je vais te dire quelque chose à toi. Quelque chose que je sais seul. Quelque chose d'effroyable. Étéocle, ce prix de vertu ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil. J'ai la preuve maintenant qu'Étéocle, qui dort dans son troupeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu'ils étaient, pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés, pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient embouillis, Antigone, méconnaissables. J'ai fait ramasser un décor, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales. J'ai donné l'ordre de laisser l'autre pourrir où il était. Je ne sais même pas lequel, et je t'assure que cela m'est complètement égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre et... Ne reste pas trop seul. Va voir Raymond ce matin. Marie-toi vite. Rien d'autre de compte. Tu allais le gaspiller. Je te comprends, j'étais comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit clon maigre et pâle comme toi qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur, non? Le bonheur? Un pauvre mot, hein. Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone, hein? Quelle pauvreté devra-t-elle faire elle aussi, jour après jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? À qui devra-t-elle mentir? À qui jurer? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi! Non, non, Créon, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour être heureuse. Et maintenant, tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Tu aimes Aimon? Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune, un Aimon exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui, avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir à mes côtés le monsieur Aimon, si lui aussi il doit apprendre à dire oui, comme vous, alors non, je n'aime plus Aimon. Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi. Si, si Créon, je sais ce que je dis, mais c'est toi qui ne peux plus m'entendre désormais. Je te parle de trop loin, d'un royaume où tu ne peux plus entrer, avec ta sagesse, avec tes rides, avec ton ventre. Vas-tu te taire enfin? Non, je ne me tairai pas. Pourquoi veux-tu me faire taire, Créon? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne vois pas dans tes yeux que tu sais que j'ai raison? Tu sais que j'ai raison. Mais tu ne te l'avoueras jamais, parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment même, comme un os. Le tien est le mien, oui, imbécile! Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte, et cette petite part de bonheur pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout, tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse. Allez, commence, commence, comme ton père! Oui, comme mon père. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre petite chance d'espoir vivante, la moindre petite chance d'espoir à étouffer. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il rencontre votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Si tu te voyais créant ces mots, tu es laide. Oui, oui, Créon, je suis laide. C'est affreux tout ça, n'est-ce pas?
Ces sursauts, ces cris, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr enfin que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché, que c'était bien son père qui l'avait tué, et que rien, plus rien ne pouvait le sauver. Alors, il s'est calmé tout à coup. Il a eu comme un sourire. C'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Vos pauvres têtes. Vos pauvres têtes de candidats au bonheur. Je t'en donne de te taire maintenant, tu entends ? C'est vous qui êtes laid. C'est vous qui êtes laid, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de la bouche ou de l'œil. Tu m'ordonnes, cuisinier, hein ? C'est ça que tu disais tout à l'heure. La cuisine, les servantes, c'est toi. C'est toi, cuisinier. Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose dans ton bonheur méprisable, là ? Hein ? Tu crois ? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre, on va t'entendre. Mais justement, ils vont m'entendre tous, ils vont tous m'entendre. Ils pourront plus rien faire cette fois. Ouvre les portes. Hein ? Ou alors, appelle tes gardes. Appelle tes gardes. Bah, je te tais, enfin, bon Dieu ! Non. Non, je ne me tairai pas. Appelle tes gardes, Créon, puisqu'il le faut. Fais-moi taire une bonne fois pour toutes. Appelle les Endek, appelle les flics, appelle les keufs et fais-moi taire. Hein ? Puisqu'il le faut, Créon ! Antigone ! Antigone ! Antigone ! Tu n'as même pas le courage de faire ça. Antigone, pardon. Qu'est-ce que tu veux, toi, encore ? Tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi ? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non. Non. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant ? Ce serait trop simple. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi avec tes Jérémiades. Il fallait y aller ce matin si tu voulais mourir. Il fallait y aller ce matin, dans la nuit, et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Il fallait te faire tabasser au sol. Il fallait... Non. Eh bien, j'irai demain. Demain. Moi, je suis comme ça, moi. Tu t'entends, Créon ? Elle aussi. Qui sait si ça ne va pas prendre à d'autres en m'écoutant ? Hein ? Appelle tes gardes, puisqu'il le faut. T'as plus le choix. Appelle-les. Fais-moi taire. Puisqu'il le faut, cuisinier. Garde ! Ben voilà, c'était pas si compliqué, hein. Emmenez-la ! Enfin, Créon ! Enfin ! Enfin ! Antigone ! Tu es fou, Créon ? Qu'as-tu fait ? Il fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. C'est une enfant, Créon. Et que veux-tu que je fasse pour elle ? La condamner à vivre ? Paix ! Oublie-la, Aemon. Oublie-la, mon petit. C'est fou, lâche-moi. J'ai tout essayé pour la sauver, Aemon. J'ai tout essayé, je te le jure. Elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre, elle a préféré sa folie et la mort. Père, tu vois bien que ces hommes l'emmènent. Laisse pas ces hommes l'emmener. Elle a parlé maintenant. Tout elle sait ce qu'elle a fait. Je ne peux plus la sauver. Lâche-moi. On peut peut-être imaginer quelque chose. On n'a qu'à dire qu'elle est folle et l'enfermer, hein. Ils diront que ce n'est pas vrai. Que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. On gagne du temps et on la fait fuir demain. La foule s'est déjà à l'urle autour du palais. Je ne peux pas. Père, la foule n'est rien. Tu es le maître. Je suis le maître avant la loi, Aemon. Plus après. Père, je suis ton fils. Je ne peux pas me la laisser prendre. Si, mon petit. Du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle ? Crois-tu que je l'accepterai, votre vie ? Tous les jours. Depuis le matin jusqu'au soir. Sans elle, votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. Il faudra bien, Aemon. Chacun de nous un jour, plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà devant moi avec ces larmes au bord de tes yeux et ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure,
Quand tu te seras détourné, ce sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Aemon. Ne me juge pas, toi aussi. Cette grande force et ce courage. Ce dieu géant qui m'a enlevé dans ses bras pour sauver des monstres, des ombres. C'était toi. Cette odeur défendue. Ce bon pain du soir sous la lampe quand tu montrais des livres dans ton bureau. C'était toi, tu crois? Oui, Aemon. Tous ces soins. Tout cet orgueil. Tous ces livres pleins d'euros, c'est pour en arriver là, être un homme comme... Oui, bon! Père, nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur, il faut seulement dire où. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Père, que je t'admire encore. Le monde est trop seul, et je suis trop seul, je ne peux plus t'admirer. Nous sommes tous tout seuls. Le monde est nu. Et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. C'est cela, devenir un homme. Voir le visage de son père en face un jour. Antigone ! Créon. Il est sorti comme un fou. Oui. Pauvre petit. Il l'aime. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti, touché à mort. Oui, nous sommes tous touchés à mort. Chef ! Ils envahissent le palais. Appelez la garde ! Qu'on vide le palais ! Reste ici avec elle, toi ! Alors, c'est toi. Qui, moi? Oui, mon dernier visage d'homme. Faut croire. Que je te regarde. Ça va. C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure? Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Ça, pas d'histoire. Ce n'était pas vous, c'était moi qui y passais. Quel âge as-tu? 39 ans. Tu as des enfants? Oui, deux. Tu les aimes? Cela ne vous regarde pas. Et donc toi, tu es garde? Après la guerre, j'étais sergent. J'ai engagé. Il faut être sergent pour être garde? En principe, oui. Écoute. Oui. Je vais mourir tout à l'heure. D'un côté, on a plus de compassion pour le garde que pour le sergent d'active. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Oui, d'abord. Oh, tombeau. Oh, l'inuptial. Oh, ma demeure souterraine, toute seule. Oh, caverne d'Hadès, aux portes de la ville, en plein soleil. The rate of the frame between the end of the
Je voudrais seulement que tu remettes quelqu'un à une lettre. Que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah ça non! Pas une lettre! Ah non! Comme vous y allez vous, moi j'y risquerai gros à ce petit jeu-là. Vous comprenez? Si on me fouille. S'il te plaît. Moi, c'est le conseil de guerre. S'il te plaît. Ah, ce que je peux faire. Si vous voulez. Je peux écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. Dans mon écriture, ce n'est pas pareil. Ton écriture, c'est laid. Tout cela est trop laid. Vous savez, si vous n'avez pas besoin de moi... Si. Prends ton carnet et écris. Mais fais vite. Je crains que nous n'ayons plus le temps. C'est bon? Écris. Mon chéri. C'est pour votre bonne amie? Oui. Mon chéri, j'ai voulu mourir. Et tu ne vas sans doute plus m'aimer. Mon chéri, virgule. J'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et c'est terrible, maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Et c'est terrible. C'est bon? Où en étais-tu? C'est terrible, maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je... On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non. Non, raye tout ça, raye tout ça. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serai morte. Mais seulement, pardon. Alors j'aurai la fin et je mets pardon, c'est ça? Oui, c'est ça. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. C'est tout? Je t'aime. Ah oui, je t'aime. C'est bon? Oui. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre. À qui est-ce qu'elle est adressée? Hé, hey, oh là, pas d'histoire! Thank you.
fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas fini de rouler les derniers blocs de pierre, lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes sortir du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui s'est déjà avant tous les autres, nous le soudain comme un fou. Enlevez les pierres, enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux le roi suant dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, et Aemon à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore, et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre, au fond du trou. Il essaye de relever Aemon, il le supplie, Aemon ne l'entend pas. Puis soudain il se dresse, les yeux noirs, et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père, sans rien dire, une minute. Puis soudain, il lui crache au visage et tire son épée. Créon a bondi hors de portée. Alors Aemon le regarde avec ses yeux d'enfant, lourd de mépris. Et Créon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Puis, sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Mon Dieu. Voilà. C'est vrai, elle avait raison. Sans la petite Antigone, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles, non? Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, ceux qui croyaient le contraire, même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre, morts pareil, tous bien inutiles, bien raides et bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort.